Il est l'un de ceux qui ont porté les espoirs du printemps arabe. Voici l'ex-président tunisien Moncef Marzouki. Moncef Marzouki, bienvenue à Tout le monde en parle. Vous avez été président de la Tunisie de 2011 à 2014. C'est en Tunisie qu'a commencé le printemps arabe fin 2010 à la suite du suicide de Mohamed Bouazizi, un jeune marchand ambulant qui avait été harcelé par les policiers. Un mois plus tard, le président Ben Ali a renoncé au pouvoir et a quitté la Tunisie. Vous étiez alors en exil en France. Ouais. Est-ce que vous aviez pressenti l'effondrement du régime en Tunisie? Oui, bien sûr, parce que de toute façon, vous savez, il y a Anna Arendt qui avait dit un proverbe qui est très célèbre. Elle a dit « Dans une dictature, tout va bien jusqu'au dernier quart d'heure ». Parce qu'une dictature, ça paraît solide, extraordinairement solide, et puis ça s'affaisse d'un coup. D'un coup. Donc, vous savez que ça va s'affaisser, mais vous ne savez pas quand. Et on a été très surpris par à la fois la rapidité, le temps, mais l'histoire est comme ça. L'histoire est toujours surprenante. Vous, en 2001, vous aviez fondé le parti d'opposition Congrès pour la République, oui, qui fut interdit par le gouvernement. Oui. Le régime vous avait mis en prison et à votre sortie, vous avez quitté la Tunisie pour la France. Oui. 10 ans plus tard, comment s'est déroulé votre retour en Tunisie? La vie est pleine de surprises. En fait, moi, ce que j'ai appris, c'est que l'avenir n'accouche jamais de ce qu'on craint le plus, ni de ce qu'on espère le plus, mais de ce qui surprend le plus. Mm-hmm. Donc moi, j'ai été extrêmement surpris de cette révolution. J'ai eu la chance, effectivement, de me retrouver du jour au lendemain président de la République. Alors, c'est très bizarre parce que, en général, ceux qui ont été présidents ou ceux qui ont été rois ou princes, etc., ne connaissent pas les prisons. Et ceux qui connaissent les prisons, en général, ils ne passent pas de l'autre côté. C'est vrai. Moi, j'ai fait tout le spectre. Donc, je suis passé des prisons, des cellules infectes, infâmes, etc., où vous vivez comme un paria, au palais présidentiel. Ben ouais. Et donc, vous passez d'un extrême à l'autre. En tant que président, vous étiez à la tête d'une coalition formée de 3 partis, deux partis laïques et un parti islamique, Ennahda. Est-ce que c'était difficile à gérer? Oui, bien sûr, c'était difficile à gérer. Mais en même temps, c'était nécessaire. Parce que le monde arabe était divisé dans... Il y a deux courants, un courant laïque pro-occidental, très occidentalisé en général. Et puis ensuite, vous avez un courant islamique qui est beaucoup plus identitaire, qui est beaucoup plus conservateur. Et ces deux courants dans le monde arabe sont en guerre, en lutte. Et nous, en Tunisie, on a quand même réussi à éviter cette lutte en disant, bon, bah, écoutez, on va essayer de travailler ensemble. C'est un peu l'esprit de la modération et du pragmatisme qu'il y a ici au Québec qui nous a permis d'éviter justement le sort de beaucoup d'autres pays. Mais quelle place a la religion dans le système politique tunisien? Aucun. Aucun? Aucun. C'est-à-dire que ce que nous avons... établie comme constitution. C'est une constitution qui reconnaît la religion comme étant la religion de la nation, de l'État, ce qui est un fait. Mais les lois de la République sont des lois séculières, c'est-à-dire que l'égalité homme-femme, les libertés publiques, la liberté de conscience, ce qui fait que nous avons une constitution, une des plus avancées du monde arabe. Vous avez parlé d'égalité homme-femme, mais pourtant, il est interdit aux femmes musulmanes de marier des non-musulmans en Tunisie. Les femmes sont quand même désavantagées pour les héritages et par leur statut. Et pourtant, la Tunisie est un chef de file du monde arabe pour la condition des femmes. Mais visiblement, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Ah oui, il reste encore beaucoup de choses à faire. Les droits de la femme en Tunisie ont évolué en 3 temps. La première fois, c'était les lois de la... enfin, protéger la loi, les femmes en tant que genre. Alors, c'est les droits à la... droit de mariage, la procréation, les anticonceptionnels, tout ça c'est terminé. Et puis ensuite, la femme tunisienne citoyenne, ça aussi c'est un problème réglé dans la mesure où il y a actuellement une parité. La loi dit qu'il y a une parité dans le Parlement, dans toutes les assemblées, il faut que ça soit moitié homme, moitié femme. Maintenant, le grand problème, c'est la pauvreté, parce que la Tunisie reste encore un pays en développement. Ouais. Et ceux qui portent le poids de la pauvreté, c'est essentiellement les femmes. Donc, on est passé des droits en tant que genre aux droits politiques, aux droits socio-économiques. C'est un peu ça, l'évolution. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est sûr. En 2014, vous avez perdu l'élection présidentielle contre Béji Caïd Essebsi. Vous avez dit depuis qu'il avait orchestré un retour à l'ancien régime et que la contre-révolution avait finalement emporté. Comment ont-ils réussi? Il y a un principe général, c'est que quand vous devenez chef d'État après une révolution, vous héritez d'une économie stagnante.
Vous héritez d'une période de chaos. Mm-hmm. Vous héritez de tout le deep state, l'état profond qu'il y avait devant. Vous héritez de gens qui vont vous mettre les bâtons dans les roues. Et surtout, vous héritez de beaucoup d'espoir. Les gens ont un grand espoir. Ils espèrent que ça y est, la révolution est là. On va avoir trop de travail. Et tout de suite. Tout de suite. Ouais. Et là, ils se rendent compte que ce n'est pas du tout le cas. Parce que vous avez cette économie qui ne décolle pas, vous avez des attaques terroristes, vous avez tout ça. Et là, ils voient très bien que vous leur donnez la liberté d'expression. Ils vous disent, d'accord, merci, mais la liberté d'expression, moi, ça ne me fait pas manger. Moi, ce qui me fait manger, c'est le travail. Donnez-moi du travail. Et là, vous leur dites, il faut être patient. Ils vous disent, ça fait 50 ans qu'on est patient. Donc, arrivent à ce moment-là les types de l'ancien régime. On leur dit, vous avez vu cette révolution, elle ne vous a rien rapporté, elle vous a encore rendu plus difficile, mais nous, nous allons régler les problèmes. Et ça, ça s'est passé comme ça en Europe de l'Est. Ça se passe partout. Mais c'est ça la règle de la démocratie. Pour la première fois, il y a des élections. Entre parenthèses, moi, je suis toujours fier de dire que je suis le premier président arabe à avoir perdu le pouvoir, ben oui, sans aller au cimetière, sans aller en prison, sans aller en exil. Parce que d'habitude, les présidents arabes, quand ils ont perdu le pouvoir, ils vont au cimetière, ils vont en prison ou ils vont en exil. Si on exclut la Tunisie, tous ces gens qui ont manifesté pendant le printemps arabe, qui venaient de l'Égypte, du Yémen, de la Syrie, etc., est-ce que vous croyez qu'ils conservent encore l'espoir de pouvoir vivre un jour dans un régime démocratique? Bien, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre pourquoi est-ce que les gens se sont soulevés partout dans le monde arabe. C'est parce que c'est pas tellement la pauvreté, mais beaucoup, c'est la répression et la corruption. Et à un moment donné, ça devient insupportable. En fait, quand on parle de printemps arabe, c'est une fausse image. Parce que le printemps arabe, ça fait couic-couic, ça fait oiseau, ça fait jasmin, etc. Ça a été très, très sanglant, les révolutions, que ce soit en Syrie, etc. En fait, c'est de volcans arabes qu'il faudrait parler. Or, vous savez comment fonctionnent les volcans. Une fois qu'ils explosent, parce qu'à un moment donné, la pression devient très forte à l'intérieur de la chambre magmatique, et hop, ça explose. Et ensuite, bon, ça se calme un peu. Et dès que la chambre magmatique recommence à... Hop, ça explose de nouveau. Aujourd'hui, un pays comme l'Égypte, le volcan s'est affaissé, mais je vous garantis que la chambre magmatique est en train de... Ouais. Et vous allez avoir une grosse, grosse explosion en Égypte. Est-ce que vous partagez entre démocrates des pays arabes l'expérience tunisienne? Absolument. Parce que c'est un modèle pour les autres pays. Les démocrates égyptiens, par exemple, doivent vous envier beaucoup. Nous avons beaucoup travaillé avec eux. Nous leur avons donné quelques conseils avant le coup d'État. Nous travaillons beaucoup avec les Libyens pour dire voilà comment on fait un dialogue national. Mais il y a des principes qui sont de s'asseoir et de discuter entre ennemis. Parce que quand vous discutez avec vous-même et avec votre ami, vous n'allez pas ça loin. Donne rien. Mais quand vous discutez avec vos ennemis, avec vos adversaires, et que vous apprenez qu'il n'y a pas, le choix, il faut le faire, à ce moment-là, tout devient possible. L'ex-président Ben Ali a trouvé refuge en Arabie saoudite après son départ de la Tunisie en 2011. Oui. Le beau-frère de Ben Ali, Belhassane Trabelsi, s'est réfugié à Montréal avec sa femme et leurs enfants en janvier 2011, après la chute du régime. Mmh. Il est considéré comme l'un des membres les plus corrompus de l'entourage de Ben Ali. Absolument. Et M. Trabelsi vit en clandestinité. Les autorités canadiennes ne l'ont pas encore retracé. Ses comptes et ses avoirs ont été bloqués au Canada. Avez-vous encore espoir de les récupérer? Peut-être qu'il nous écoute ce soir. Bien, écoutez, je ne le salue pas. Moi, j'ai du mal à comprendre comment se comporte un corrupteur et un corrompu. J'ai l'impression que ce sont des grands enfants. Voilà, ils arrivent dans un marché à jouets ou dans le marché au chocolat. Et j'avais tout. Ils veulent tout et veulent. Et ça, c'est quelque chose de terrible. On a l'impression d'avoir affaire à des grands enfants parce que, un, ils ne se rendent pas compte que ça va mal tourner, qu'ils vont attraper une indigestion, que c'est mauvais, etc. C'est vraiment des enfants attardés. Hein. Bien, cet homme, effectivement, aujourd'hui, d'abord, il n'a pas respecté les lois de la Tunisie, il n'a pas respecté les lois de ce pays qui lui a donné refuge, puisqu'il refuse donc de se soumettre à la loi. Il y a ses biens à lui qui doivent être récupérés par la Tunisie, mais il y a aussi un autre homme qui s'appelle Sahar Matri, qui a aussi apparemment une maison ici à Westmount, je crois, qui a été récupérée, qui a été vendue pour $1,5 million, et l'argent est gelé. Il faudrait quand même que le gouvernement du Québec nous rende cet argent parce que nous avons été saignés à blanc par la corruption. Et cet argent doit nous être rendu. Moi, j'ai beaucoup discuté avec les Suisses, avec les Français, avec tout le monde. Ils me disent, nous sommes des États de droit, il faut passer par des jugements, etc. Et en fait, c'est une décision politique qu'il faut parce que nous n'avons pas les moyens de payer des avocats pour nous trouver dans
cette complexité juridique et comme ça, on ne récupérera jamais l'argent. En fait, vous n'avez pas 1,5 million pour récupérer 1,5 million. Absolument, absolument. Ouais. Mais ça m'amène à vous poser une question justement sur les pays qui représentent la démocratie et qui se sont réjouis du printemps arabe et de ce qui se passait. Oui. Et il y a beaucoup de Tunisiens démocrates aujourd'hui qui l'ont écrit et qui le disent, on nous a abandonnés. Oui. Absolument. Et on ne nous aide pas. Pourquoi on n'aide pas davantage l'économie tunisienne à remonter, par exemple? Oui, oui. Oui, ça, ça a été pour nous une très, très grosse surprise. Parce qu'en fait, ici, je fais très attention à ce que je dis. Je fais la différence entre les sociétés civiles occidentales. Moi, si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est à cause d'Amnesty International, de Human Rights Watch, de la presse occidentale, qui nous ont énormément aidés. Donc, les sociétés occidentales, c'est une chose. Et les gouvernements de certains pays occidentaux, c'est autre chose. Pour ces pays-là, ils nous ont toujours payé de mots, oui, oui, etc. Mais en fait, leur politique, ça a été d'appuyer les dictateurs. Ils ont appuyé Ben Ali, ils ont appelé, comment il s'appelle, celui de l'Égypte, là, Moubarak. Aujourd'hui, ils appuient de la même façon Sissi, etc. Et ça, au nom de la stabilité, et en fait, c'est une fausse stabilité, parce que c'est la stabilité qui consiste à mettre un bouchon sur le volcan, et puis ensuite à serrer très fort, ce qui ne fait qu'augmenter la pression, à la fois interne et externe, et hop, ça explose, et ça nous donne le terrorisme, ça donne les réfugiés, etc. Donc, il faudrait que les sociétés occidentales fassent pression sur leur gouvernement pour leur dire, attendez, arrêtez cette politique cynique de dire, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est le court terme, le long terme, ce n'est pas notre affaire, on va le laisser aux autres, et le long terme, eh ben, ce sont vos enfants et vos petits-enfants et les nôtres qui vont payer la facture. Mmh. La Tunisie a été la cible d'attentats terroristes ces dernières années. Il y a des Tunisiens qui ont aussi commis des attentats à l'étranger. À Nice l'été dernier, à Berlin, peu avant Noël. Des milliers de Tunisiens se sont enrôlés pour le djihad, selon diverses sources. Qu'est-ce qui pousse ces Tunisiens à se radicaliser? Ben, ces gens-là, c'est l'expression de notre échec en tant que société. On a échoué à leur donner la bonne éducation, on a échoué à les intégrer, on a échoué à leur donner la dignité. Donc c'est le symptôme de notre échec. Et on doit l'assumer entièrement. Mais en même temps, j'aimerais quand même que vous voyez que nous avons aussi des symptômes de réussite. Je veux dire que quand la révolution a éclaté en Tunisie, ce n'est pas les terroristes qui l'ont guidé, ce n'est pas les islamistes de pur et dur, c'est des démocrates, des jeunes. Et nous avons installé une démocratie laïque, nous avons installé une démocratie d'égalité homme-femme, etc. D'une certaine façon, la Tunisie est un pays contradictoire parce qu'elle a donné à la fois des terroristes et à la fois donné des militants des droits de l'homme. Mais ce sont les militants des droits de l'homme qui ont fait la Tunisie aujourd'hui. Ça, c'est un side effect, c'est un appendice, c'est un accident, mais que nous devons assumer et comprendre pourquoi nous avons échoué. Et si jamais vous êtes réélu président en 2019, comment allez-vous gérer ça? D'abord, je vais vous dire comment on a géré avant, pendant ces 3 années. Alors, pour moi, le terrorisme, c'est la plus mauvaise réponse à une très bonne question. C'est-à-dire, la question, c'est comment se débarrasser de la dictature, comment se débarrasser de l'injustice, comment se débarrasser de la corruption. Et la plus mauvaise réponse, c'est en portant les armes, en allant tuer les gens, en faisant, etc. Ça, c'est la plus mauvaise réponse. La meilleure réponse, ça a été la nôtre, c'est-à-dire on va faire de la résistance civile, on va se battre pour une démocratie véritable, etc. Bien, ben moi, quand j'étais à la tête de l'État, j'avais donc à gérer ce problème-là. Et on a dit, c'est une stratégie complète et complexe. Il faut de l'éducation, il faut de l'éducation religieuse, il faut impliquer les imams dans les mosquées pour la déradicalisation. Il faut impliquer la presse pour qu'elle ne monte pas en exergue n'importe quel phénomène, parce qu'ils aiment ça, les terroristes. Ils travaillent pour les médias. Donc ouais. Mais j'avais dit aussi qu'il fallait absolument éviter les vieilles techniques de torture, de mauvais traitements, parce que les meilleures écoles pour créer, ce sont nos prisons. C'est-à-dire, si vous voulez radicaliser une jeunesse, laissez la police politique torturer, mettez-les dans des prisons, etc. Vous pouvez peut-être casser 100, mais il y en aura 3 jours, 10 qui ne seront pas cassés et qui vont acquérir une telle haine, une telle violence. Et ces 10 sont capables de vous foutre en l'air une économie, pas en tirant sur quelques touristes, etc. Donc je leur ai dit, notre bataille doit être une bataille à la fois militaire, économique, sociale, etc., mais aussi éthique. Et j'avais interdit la torture. J'avais dit, je ne couvrirai jamais qui que ce soit qui serait coupable de crimes de torture.
Et heureusement, pendant mes 3 années au moins, effectivement, la torture a beaucoup régressé. Malheureusement, maintenant, l'idéologie de la nouvelle équipe, c'est ne me parlez pas de droits de l'homme quand il s'agit de sécurité. Est-ce que vous parlez des États-Unis, là? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, quand on arrive à ce genre de machin, vous êtes sûr et certain que le terrorisme va revenir parce que vous allez remettre la machine à fabriquer des terroristes en marche. Vous voulez fabriquer une machine à terroristes, faites de l'injustice, faites de l'oppression, faites de la corruption, faites de la torture et de la police politique. Alors vous êtes sûr que vous allez en créer des 100 et des 1000. Monsieur Marzouki, c'est un plaisir de vous recevoir. J'espère que vous passez un excellent séjour au Québec. Merci beaucoup. Si vous permettez, je vais dire juste un mot. Demain, je vais aller à Québec pour présenter mes condoléances aux familles des gens qui sont morts lors de l'attentat. Mais je voudrais dire vraiment quelque chose du fond du cœur. Nous avons été extrêmement émus, nous, les Arabes et les Tunisiens, par l'attitude du Québec, l'attitude du Canada, par l'attitude du peuple québécois, par l'attitude du Premier ministre. Nous avons été extrêmement émus. Pourquoi ? Parce que nous sommes tout le temps accusés d'être des terroristes, alors que les gens ne savent pas que nous sommes souvent 90% des cas de victimes de terrorisme sont d'origine arabe et musulmane. Ah, oui. Donc nous sommes les premières victimes des terroristes. Et en même temps, on nous présente pratiquement comme les terroristes ou le peuple de terroristes. Et donc d'entendre M. Trudeau qualifier d'acte terroriste un assassinat contre les musulmans, de voir la réaction de la télévision, de Radio-Canada, etc., ça nous a beaucoup émus. Donc merci Québec, merci Canada. Merci, M. Marzouki. Après la pause, Antoine Bertrand. Antoine, tu as connu des ennuis de santé l'an passé. Qu'est-ce qui s'est passé et comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien. Ça va super bien. Ce qui s'est passé, moi, surentraînement, je pense. Oui. J'essaie d'être sérieux puis de dire... De dire la vérité. Une fois que je rouvre les livres puis je dis ce qui s'est passé...